morceau sur l'autel et Dagon devra nous parler. Bien, vous êtes là. Je vais placer les morceaux sur l'autel et Dagon devra nous parler. D'accord. Mérunès Dagon, prince du changement, nous vous avons apporté votre dague. Nous vous implorons de rendre à Tamriel toute la gloire qui s'est là. Cela ne fonctionne pas. Et si vous essayez, posez vos mains sur le... Moi, mais j'ai pas spécialement envie, moi. J'aime pas Dagon. Et puis Oblivion, Dagon, j'aime pas. Alors, une petite sauvegarde rapide ici. Pour être sûr. Bon, ben, on va toi, tu es digne d'entendre ma parole. Tu as rassemblé les fragments de mon rasoir. Un jeu très amusant à observer. C'est malin. Mais Dagon ne déclare jamais l'ennemi vaincu tant qu'il reste un pion sur l'échiquier. Tu, Silus. Sa famille et lui n'ont plus aucune utilité. Non. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver les pièces. Il mérite de vivre. Seul Dagon peut décider si un pion mérite d'être laissé en vie ou non. J'ai dit. Tue-le. Prends la place qui te revient à mes côtés ou meurs sous mes coups. Et moi j'ai dit non. Non. Attendez, ne me tuez pas. Il existe une autre solution. Je peux rapporter les morceaux au musée et les sceller dans une vitrine. Vous recevrez une généreuse quantité d'or. Moi, je compléterai ma collection. Personne n'a besoin de mourir. Ok, fichez le camp. Merci. Voici votre or. Je m'en vais de ce pas pour Aube Étoile. D'accord. Tu oses trahir Mérunès Dagon. Tu vas souffrir. Et vous laissez mon cheval. Mon cheval. Tiens, tu la vois la pitoyable faiblesse là. Il est parti où mon cheval? Oh putain, il a un troll sur lui maintenant. Putain, mais... Bon, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'ils ont, les Dédras? Ils doivent avoir des cœurs des Dédras. Ouh, une belle hache. Clé de l'hôtel. Ah ben, je vais pouvoir rentrer comme ça. Mais bon, la clé, une seule, ça me suffit. Tiens, j'ai deux armes superbes grâce à toi. Bon, on va visiter son temple un peu. Bon, j'aurai pas sa dague, hein. Tant pis. Reste caché, hein. La petite Lydia. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent, ils font quoi? Il y en a deux, il y a un grillé et l'autre couillon là-bas. Mon cri. Il est presque prêt, ça y est, mon cri est prêt. Tiens. Non mais... Voilà, ça c'est fait. Un cœur des draps, une épée de feu à l'incandescence. On s'en fiche. Toi, t'as quoi? Un cœur des draps. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ton temple? Des bottes de cuir, super. Des pièces d'or. Petite pause. Hop, on reprend. De l'or. Ah, un coffre.
Alors, décrocher, là, je dois mettre en fiche, une potion on peut prendre. La farine d'os, une stèle de givre. Des gemmes, conscience luisante. Catalogue d'enchantement d'armure, on prend, on sait jamais. Trois lingots d'or. Conjuration à cru, ça doit valoir des thunes, ça. Une potion luisante. Non, ça c'est vide. Ok. Ici. Comme des diamants, des gemmes, une émeraude. Un casque elfe de guérison. Un des petits objets. Et même, pourquoi les caissettes elles sont vides? L'ectoplasme. Éclair enflammé. Pierre de lune. Bon, plein d'objets, mais rien de valeur. Oh, en bas, il y a plein de minerais. Mode de cuir, on s'en fiche. Les crochets, le grenat, l'or et les trois potions. Le reste, je m'en fiche. Ici, prendre. Je vais bien prendre les lingots. Bon. Il était sympathique, ton petit temple. Lydia, il va falloir que j'échange des trucs avec toi, je pense. Non, j'ai utilisé mes objets qui me permettent de porter des trucs. Putain, les bottes. Putain, il me reste quasiment plus rien pour... Ouais, ça va, je peux courir. Bon, ben voilà, j'ai pas gagné sa dague. Tant pis. De toute façon, j'aime pas, mais on est à bonne. Et sa dague, je sais pas ce qu'elle fait, mais bon, tant pis. Donc voilà, j'ai pas tué l'autre machin. Je vais quand même me rendre au bétoile. Juste pour voir si lui il a pas rassemblé ses... Juste pour voir. Donc voilà, ma bétoile. Je vais aller au musée de suite. Ça m'étonnerait qu'il qu'il ait reconstruit la dague, mais bon. Au cas où. Je n'aurais jamais cru que je n'aspirerais un jour. Tout va bien au musée. Je n'ai parlé à personne de l'incident qui s'est produit avec le rasoir. Bon, ben, je peux pas la récupérer, tant pis. Bon, je sais pas ce que faisait cet artefact d'Edric. J'aurais pu l'avoir, mais bon, j'ai décidé de ne pas tuer l'autre. Alors, plutôt, Dagon, je l'aime pas. Donc, il n'y a pas de raison que je le serve. Bon, je vais aller à Clairland, récupérer cette pierre de Berenzia et ensuite porter la corne de Torig. Voilà, Clairland. J'étais déjà venu ici. Dommage. Et où? Hop là. J'ai raté l'échelle. Oh, c'est qui me balance du feu là? Attends, attends, attends. Attends, j'arrive. Il est où? Il est là-bas. Non. T'en veux des dégâts là? Tiens, putain de mage. Mais ta dague, elle a rien de spécial. Non, c'est une simple dague d'acier. Là, mon cheval. Oh merde, c'est de la viande de cheval.
Bon, je me rappelle pas si j'étais venu ou non dans ce château. Bon, on va chercher cette dague. Cette dague. Là, c'est encore à la dague que j'ai pas récupérée chez l'autre. Là, je profite. Clé du château, j'ai pas besoin. Merci. T'as une forgeron, là je prends toujours. Bon, mais je vais forger un petit peu, je pense. Voir si je peux désenchanter quelques nouveaux objets. Non, rien désenchanté. Non, mais comme ça, au moins c'est clair. Alors, je suis venu pour ça. Voilà. Papier de redon, on s'en fout. On va l'avoir, on va prendre. Bien que des ingrédients, j'en ai au taquet, je vais pouvoir arrêter d'en prendre. Bon, mais je vais utiliser l'enclume. Je vais voir ce que je peux forger, si je peux améliorer son équipement. Mais est-ce que j'ai des bons minerais? Parce que c'est un équipement orque qu'elle a. Et moi j'ai rien pour forger de l'orque. Ébonite, ébonite, écaille. Donc je vous dis à de suite, je vais essayer de voir si je peux améliorer un petit peu son équipement. Déjà je pourrais l'enchanter. Donc à de suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire ce que je voulais. Donc j'ai filé une hache que j'avais récupérée sur Andremora, une cape que j'ai enchantée. Bon, par contre j'ai détruit son armure, la belle armure d'ébonite qu'elle avait, parce que l'enchantement je le connaissais pas. J'ai filé une armure de verre, mais elle veut pas la mettre. J'ai fait des gants et des bottes pour la discrétion. Enfin, les gants j'ai fait pour armure lourde et combat avec les armes de même. Je sais avec ça qu'un combat. Bon. Tant qu'à être là, hein, je vais finir tout. Je vais nettoyer ce petit coin. Copain, il est où? J'aime pas les nécromanciens. Bon, je prends plus les capes, je prends plus rien. Hein. Et pilier, non, c'est pas celui que je veux. Ah, j'adore ça. Qui est là? Ça va, les parchemins. Toi, tu les utilises. Ah, mais non, ici. Termine. Tiens. C'était ton putain de bâton là qui faisait des dégâts. D'accord.
Wow. On est un peu comme ça. Porte d'Oblivion. Je le connais déjà, ce bouquin. Oh, mais il y avait que ça, apparemment. Bâton de survie. Plate de vigueur, on s'en fiche. Les morades. Oh, une statue de Talos, hein. Oh, une épée là-bas. Espadon en ébonite. T'es où? Ouais. Je suis derrière vous. D'accord. De quoi s'agit-il? Allez, pêche-toi. Il vous faut quelque chose? Oui, je veux que tu... Tu prennes les... D'accord. Espadon. C'est bon, tu l'as pris? Autre chose? Non, c'est rare. Merci. Ah, là, il y a gem. Il n'y a plus rien. Ah, une des gemmes avait attiré mes pieds. Et c'est tout ce qu'il y a ici. Bon. Personne n'a le panier, non. J'aime la bourse, le bouquin. La ville de pierre, c'est sur Markart. Les cachots du château. Bon, mais c'est tant qu'à être là, hein. Je vais visiter un peu.